Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très très bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul de chez Kinoz, un big haul. Alors, comme vous pouvez voir, mon sac est plein. Voilà, alors je suis déjà essoufflée. Donc, nouveau décor. Enfin, voilà, c'est toujours dans ma chambre, mais de l'autre sens, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Et je filme via l'ordinateur, ça doit se voir dans mes lunettes. Faites pas attention. Donc voilà, pour l'instant je filme avec l'ordinateur parce que tout simplement sur mon téléphone ne veut pas filmer. Et vu que j'ai bientôt plus de vidéos à vous mettre sur YouTube et que j'en ai au moins 3-4 à tourner, donc voilà, donc vous verrez certainement le même visage, etc. sur les 3-4 vidéos qui arrivent. Voilà, alors un cahier Oxford, voilà, à 4,99€. Donc alors là, je vais avoir un petit peu de mal à vous montrer les prix. J'espère que vous allez les voir parce que des fois, moi la qualité des fois sur l'écran, elle est pas terrible, tu vois. Et en fait, quand je vous mets la vidéo, en fait, elle est très bien. Donc vous avez déjà eu des vidéos avec cet ordinateur-là et ça, c'était plutôt bien. La qualité est plutôt bien. Donc là, j'en ai comme ceci, c'est un grand comme ceci. Voilà, vous avez les jours là-haut, quoi écrire, des petits mots là, vous pouvez écrire des notes. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que vous êtes éclairé par juste ma lumière. Donc voilà, de base avec mon téléphone ça fait très bien, donc là avec l'ordinateur on verra. Alors ensuite ceci à 0,79 centimes. Alors ça c'est je suis obligée de vous regarder. Ça c'est un, en fait c'est un petit truc comme ça pour mettre des petits cadeaux dedans, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. Genre là je vais faire un swap, pourquoi pas mettre des petites choses dedans, le petit bonus dedans, pourquoi pas mettre les bonus dedans, on verra bien, je verrai ce que je vais faire. Alors ensuite pour le prix de 1,20€, donc le prix est là, voilà, un petit Samsung, donc j'ai pris en double, voilà, je me suis dit pourquoi pas si j'ai un swap à faire ou carrément un truc, genre avec, je pensais à ça avec Marion Makeup, si un jour on se donne des produits ou autre pour faire un petit vide-grenier, vide-placard ou je sais pas quoi, ou même avec quelqu'un d'autre, et je vois la personne, au moins là tu peux agrafer, c'est bien parce que moi j'agrafe là en général, et au moins t'as les petits poignées qui sont là et là, et voilà, et j'agrafe là en général. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il y avait ça aussi avec... Donc voilà, je trouve ça sympa, j'en ai pris deux. Et j'en ai pris deux autres avec des petits pandas. Donc 1,20€ aussi. Voilà, j'espère que vous voyez bien parce que du coup, je mets ça dans ma tête, je vois pas. Donc voilà, donc pareil, il a à peu près la même taille. J'en ai pris deux aussi, surtout les pandas. Hein. Voilà, fallait forcément que j'en prenne. Donc eux, c'est avec deux petits trucs comme ça. Et ils sont comme ceci. Moi, je les trouve trop jolis celui-là. Trop mignon. Pareil, hein, c'est la grande... la même grandeur que celui d'avant, c'est les mêmes. Et la marque c'est Partisan Produits Limités. Voilà, la marque c'est ça. Voilà, il n'y a pas le prix de base, des fois je regarde parce que des fois il n'y a plus de base. Alors ensuite niveau grand truc, il y a encore ça, ça je vous donnerai pas le prix. Voilà, c'est du scrap parce que tout simplement il n'y a pas le prix. De base, il est à... ah, je sais pas combien parce qu'il n'y a pas le prix non plus. Donc voilà. Donc voilà, en ce moment, il y a ça. Donc c'est un petit peu... c'est un vieux marron, vous voyez. Il y a plein de trucs. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, bref, il y a plein de trucs. Il y a tout ce qu'il y a autour du... ouais, j'ai pas trop bougé parce que sinon... j'espère que ça fasse flou. Voilà. Donc il y a toutes les formes qui est autour en fait. Donc ça paraît, c'était pas excessivement cher non plus. Ensuite, un truc où je me suis fait avoir. Alors c'est dommage parce que j'avais tourné la vidéo. Et en fait, mon téléphone s'est coupé. Et en fait, tout simplement, donc il était emballé et tout. Je croyais que ça c'était un jeu. Vous voyez, un jeu, la part Krata. Sauf que non. C'est 3 DVD plus un sac. Et en fait, je l'avais ouvert. Et c'est là où je me suis dit, mince. C'est 3 DVD avec un sac recyclable en fait, un sac
voilà un sac qu'on peut réutiliser quoi. Donc du coup en fait c'est des DVD tout simplement. C'est 3 DVD différents de Lapin Crétin. Donc voilà. Donc je vais voir avec mon papa s'il en veut. Et au pire des cas j'en prendrai 2 et j'en mettrai un dans un swap je pense. Je verrai à voir si mon papa il veut le trio ou pas. 2 DVD. Donc voilà, ça c'est pareil, ça devait être 3. Non 2,99 je crois que c'était. Donc voilà. Moi je pensais que c'était un jeu, du coup bah voilà. Je me suis un petit peu faite avoir. Alors ensuite j'ai acheté des pansements, pareil, j'ai pas le prix, mais ça devait pas être très cher parce que si j'ai pris des pansements, c'est que ça devait pas être à 1€, tu vois. Donc voilà, donc c'est les petits pansements où il y en a. Là il y en a 2 différents. Il y a 5 pièces de 10 x 6 cm et 10 pièces de 19 x 72 cm. Donc j'ai vu ça, j'ai dit pourquoi pas en prendre, on en a jamais assez. Ah oui, donc c'est que des comme ça et des plus petits. Donc, je vais vous montrer. Parce que voilà, on a toujours besoin des pansements et comme ça. Parce que la première fois que j'étais à l'appartement, que je m'étais coupée, limite on n'avait pas de pansements. Donc comment vous dire que c'est un peu la galère quand on n'a pas de pansements. Du coup là ça fera une petite trousse de soins quoi. Donc voilà, un petit stylo party light. Bon j'ai pas eu ça à nous mais il est tombé dans le sac. C'est pas grave. Alors un truc que j'ai fait le stock, donc c'est un shampoing 2,36€. Donc franchement pas cher du tout. Je l'ai acheté en double. Je vous l'avais déjà montré celui-là. Donc je vais en poser un là. Je vous l'avais déjà montré. Donc c'est pour les démêlants. Donc nutrition au contrôle de fristotophie. Pour cheveux normaux à épais. Et en fait c'est 90% d'origine naturelle. Et ça c'était 2,36€. Genre j'ai dû y aller il y a 2 mois et il y avait encore ce produit là. Donc j'ai pas hésité, j'en ai pris 2. C'est en 500ml, j'en ai pris 2 et c'est 2,36€. Comment vous dire que c'est pas cher, limite 3€ pour un 500ml. Je vous en avais donné, je vous avais fait un bon retour. Comme quoi il démêlait super bien les cheveux, avec les cheveux mouillés, il démêlait super bien. Les cheveux pas mouillés, il démêlait super bien. Le seul hic, c'est que celui que j'avais la dernière fois, il était très liquide. Alors est-ce que lui est liquide aussi? Lui il a l'air un petit peu moins liquide que le premier que j'ai eu. Mais le premier que j'ai eu était très liquide. Donc à voir. Après je me suis dit peut-être que j'ai eu celui qui était liquide quoi. Lui c'est pareil. Ils sont pas trop liquides. Je sais pas si vous allez bien voir. Ils sont pas liquides. Donc ça c'est très bien. Mais le tout premier que j'avais utilisé, j'ai trouvé super liquide. Donc du coup limite qui m'était comme ça, t'en avais plein et tout. Mais donc voilà. Mais j'avais quand même bien aimé. Donc là si c'est un petit peu plus dur que liquide, ça m'arrangerait, c'était très bien. Donc voilà, donc vous verrez certainement mes produits terminés et dans mes favoris quand je les aurai terminés. Alors ensuite, il y a vraiment du tout n'importe quoi, une petite couronne que j'ai pas vu tout à nos, mais c'est pas grave. Ensuite il y a ceci, je ne pourrais pas vous donner le prix non plus. Voilà. Je vais essayer de vous sortir. Alors du coup, bah, quand j'ai fait la vidéo la dernière fois, je trouvais que le packaging ressemblait à ceux de Max & More, vous savez, ceux d'Action. Et en fait, c'est exactement ça, parce que regardez, l'intérieur, il y a du papier. Vous voyez, c'est un peu en plastique dur. Voilà, donc des highlighters, ils ont l'air super sympas. Le violet a l'air très sympa et le petit rose, il a l'air sympa. Alors je sais pas du tout si vous allez voir la différence des 6 fards, parce que moi j'ai l'impression que vous voyez blanc là, de marron là, de gris là et un bleu là-haut. Alors que là-haut c'est violet, là c'est bien gris, là c'est blanc, là c'est violet un petit peu plus rosé, là c'est un blanc rosé et là-haut c'est un blanc. Donc voilà, donc, je sais pas si vous allez bien voir correctement. J'espère que oui, ça serait dommage de vous faire un haul et qu'au final vous ne voyez pas très bien les couleurs, ça serait quand même dommage. Sachant que sur mon téléphone, avec la luminosité que de la lumière, parce qu'en ce moment je fais souvent le soir, vous voyez très bien. Donc j'espère que là vous allez bien voir aussi. Donc à 2,99€, donc là je peux vous donner le prix. Lui je le mettrai peut-être dans un swap, mais je ne suis pas sûre. Donc je peux vous donner le prix, c'est pas grave. Au pire des cas, la personne verra le prix, mais c'est pas grave, vous voyez. Alors c'est un anti-pollution brume visage. Donc c'est une brume visage, donc ce packaging est trop mignon.
C'est en 50 ml. C'est un fleur d'amandier. Alors je crois que ça sent bon parce que la dernière fois, pareil, hein, j'ai tourné la vidéo qui a pas marché. Ouais, ça sent super bon. Donc à voir. Donc ça, je sais pas encore si je me le garde ou si je le mets dans le swap. Je sais pas du tout. Je vais encore réfléchir pour ce produit-là. La personne se reconnaîtra du coup. Donc je vais réfléchir. Tu auras peut-être ça dans le swap du coup. Ensuite, en scrap, j'en ai pris plein en fait. J'en ai pris deux. Alors les deux, c'est le même prix. Donc 0,99 centimes pour celui-ci. Donc ça, c'est du. Ça doit être du washi tape. Parce que vu que ça commence, ça finit par tape. Tape. Bon, bref. C'est comme du. Ça doit être du washi tape. Voilà, donc j'ai pris ceux-là. Donc noir, vert et un petit peu violet pastel. Donc oui, j'ai trouvé trop mignon. Pareil, ça je trouve que c'est des fois c'est un peu cher dans les magasins normaux. Ça doit coûter 1, 2, 3 balles. Alors que du coup, l'annonce, si tu l'es à 99 centimes, c'est pas hyper cher. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Et j'ai pris celui-là aussi dans les tons verts. Donc ça c'est pareil, ça doit être du washi tape aussi, je suppose. Bon, je m'y mets, mais je suis pas encore très douée à ça. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, c'est vert, marron, bleu et vert. Je vous dis les couleurs parce que vous allez peut-être pas avoir les bonnes couleurs en fait. Simplement. Ensuite, j'ai trouvé ceci à 0,99 centimes. Donc ça, c'est pareil, c'est dommage, j'aurais dû en prendre deux parce que je voulais en mettre. J'aurais dû en prendre deux pour en mettre un dans le swap. Donc c'est pas grave, je verrai cette semaine, j'irai faire un tour à Nos. Ou demain, j'irai peut-être faire un tour à Nos, pourquoi pas. Ouais, j'irai peut-être faire un tour demain parce que demain, on est samedi. Je tourne la vidéo, on est le vendredi 7 février, oui. Donc j'irai peut-être faire un tour à Nos et si je retrouve, je prendrai pour le swap. Que ça, je voulais l'essayer. C'est le L300 Pharmacie Simca Intersup 3 en 1. Bref, donc c'est une eau micellaire, je pense. C'est pas qu'en français, micellaire. Donc, je pense que c'est une eau micellaire 3 en 1. Voilà. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon frère qui est chez moi. Et du coup, il fallait que je tourne quelques vidéos. Donc voilà. Je me suis dit pourquoi pas, j'avais le temps. Bref, donc ça, je pense que c'est une eau micellaire. Donc c'est en 200 ml. Donc voilà. Donc si je retourne à Nos, je reprendrai pour le swap. Parce que j'aimerais bien tester. Alors, je remonte. Vraiment, je sais. Et pardonnez-moi. Je vous ai bougé. Voilà. Alors, ce qui va être bien, c'est qu'il y a des choses pour. Pour des swaps, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Du coup, c'est bien parce que je pourrais remettre ça dans les sacs et tout. Parce que du coup, j'ai des sacs et tout. Donc, alors, j'ai trouvé les dentifrices. Merci, Andy. Alors là, j'étais trop méga contente. J'avais vu les vidéos, vous allez voir, enfin, pas les vidéos, les brumes, vous allez voir, je vais vous montrer. Et j'ai fait à mon copain, je me suis dit, bizarre, il y a les dentifrices, je les ai vus passer partout sur YouTube et tout, je les trouve pas et tout, j'aimerais bien au moins en tester un. Et la dernière minute, on l'a vu à la dernière minute. Il m'a dit, bah, c'est pas ça que tu cherches et tout. Et au final, bah, c'était ça. Voilà. Bon, après, dans le Nose où j'ai été, ceux qui connaissent, j'ai été sur celui de. Donc, au Mans. J'ai été à celui de Carrefour. Moi, j'aime pas du tout. Je préfère celui de chez Lidl, à côté de Lidl. Il est beaucoup plus. Enfin, il est peut-être un. Je sais pas s'il est beaucoup plus grand, peut-être un peu plus petit. Mais je trouve qu'il est mieux rangé, mieux organisé que celui de Carrefour. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les dentifrices. Merci, Andy. Donc, ils font 50 ml. Je regardais, alors j'en ai un là, c'est les mêmes. Et celui-ci, c'est réglisse vous fait les yeux doux. Cette réglisse vous fait les yeux doux. Donc ça, c'est goût réglisse. Alors, j'espère que ça va aller dans les swaps. J'espère qu'ils vont être contents. Alors ensuite, merci Andy encore, les mêmes. Sauf que là, c'est donc c'est vague de menthe fraîche. Donc voilà. Donc ça, c'est la menthe fraîche. J'en ai pris deux ou j'en ai pris deux. J'en ai pris deux chacun, c'est déjà pas mal. Je crois que c'était 50 centimes ou 1 euro l'unité. Parce que du coup, il n'y a pas le prix. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Je les ai trouvés. J'étais hyper contente. Parce que moi, les merci Indy à part les. Pour se laver les mains là. D'ailleurs, il y en avait, mais j'en ai pas trouvé.
Donc j'étais un peu déçue parce que je voulais tous les trucs et tout. Merci Andy. Voilà, comme ça au moins je vais pouvoir vous faire une vidéo de est-ce que j'ai aimé le dentifrice, merci Andy. Est-ce que j'ai aimé la brume, merci Andy. Est-ce que j'ai aimé les... Est-ce que j'aime les petits trucs pour les mains. Je pense que je mettrai ça dans un stack et à chaque fois que je terminerai quelque chose. Bon, après je ferai pas... j'en mettrai pas trop non plus parce qu'après si par exemple j'en termine plusieurs de ceux-là, si j'en goûte plusieurs de ceux-là, enfin voilà. Je vais essayer de faire une petite vidéo comme ça. À voir, parce que comme vous me connaissez, des fois je dis des choses que je pense en vidéo et des fois je fais pas forcément tout de suite en fait. Donc voilà, donc par exemple le maquillage, je voulais vous faire des un maquillage quoi, un make-up, et en fait je sais pas, j'ose pas trop vous faire ça. Donc dites-moi, tiens, dans les commentaires plutôt, si ça vous intéresserait que je vous fasse un make-up. Voilà, parce que j'en avais déjà, j'en ai préparé un. Et donc en fait c'est sur Instagram, fallait voter, et j'en ai préparé un là et du coup je vais juste à me maquiller. Mais je sais pas si ça vous plairait ce genre de vidéo là, donc dites moi dans les commentaires. Après ça peut changer que les hauls etc que je fais. J'essaie de varier un peu les magasins machin, mais à part les hauls, les produits terminés machin. Voilà, je fais pas beaucoup de vidéos. Pareil, j'essaierai de faire des vidéos, plus de vidéos party light. Donc voilà, donc là je vais vous en faire. Il y en a une que je voulais très vous faire pour une nouveauté. Donc voilà, on verra bien, je verrai selon mon temps. Et là du coup vu que mon copain est chez moi, j'ai la disponibilité d'avoir l'ordinateur, donc ce qui est plutôt bien. C'est pour ça que je vais essayer d'en faire 2-3 vidéos là, comme ça je l'embête pas après, vous voyez, je le laisse en ordinateur. Donc voilà, enfin bref, la parenthèse est terminée. Donc le Merci Indice, donc ça c'est les brumes visage fraîcheur, donc ça c'est l'odeur, pas de goût, juste un doux nuage d'eau. Un délice parfum de bouquet de fleurs. Donc ça c'est bouquet de fleurs, c'est les violets, rose violet, moi j'ai. Après vous, je sais pas quelle couleur vous avez. Ensuite on a celui-ci. Je pensais que j'en avais pris d'autres chaque, mais en fait non, j'en ai pris deux, et un et un. Lui c'est menthe verte, donc pareil. C'est en... C'est en 30 ml. Et ensuite, il y a celui-ci que je voulais tester. C'est au Moneuil. Donc, c'est le orange. J'espère que vous allez bien voir les couleurs. Parce que moi, je ne vois pas terrible. Bon, bref, on verra bien. Donc, ça, c'est le Moneuil. Donc, voilà. Donc, j'ai trop hâte de tester ça. Et le dentifrice. En plus, je pourrais le ramener et tout. Vu que des fois, je ne suis pas chez moi. Je pourrais l'emmener et tout. Ça peut être trop bien. Et ça, j'ai trop hâte de le tester. Après, j'ai vu que sur les vidéos YouTube, elles disaient, enfin ceux qui avaient terminé, que ça partait très vite. Donc voilà. Donc moi, après, ça va pas partir extrêmement vite parce que j'en mets pas tout le temps non plus. Et en fait, en général, j'en mets jamais. Donc ça partira moins vite que si je les utilisais tous les jours. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes 52 abonnés. C'est déjà pas mal. On grandit de plus en plus. Et sachez que je vous remercie du fond du cœur de me suivre. Je pensais pas qu'on allait être autant. Voilà, je pensais que j'allais jamais avoir beaucoup de personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos. Et au final, vous êtes quand même nombreux à regarder mes vidéos. Donc je vous remercie sincèrement. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée !